Bonjour. Merci. Bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu dis ouais, allez, j'y vais, je quitte Strasbourg et je descends un peu plus bas sur Annecy. C'est pas le sud. C'est pas encore le sud, c'est le mi-chemin. Mais tout d'abord, au Racing, en gros, il y avait une hiérarchie. Moi, j'étais le quatrième. J'avais 20 ans. Il y avait Bing devant moi, Bingo Kamara, troisième. Et Jikawa Shimon, deuxième. Et Mathiel, en premier. Et j'avais besoin de temps de jeu. Je jouais en réserve, en N3. Mais je jouais que deux matchs. J'enchaînais deux matchs et je coupais deux matchs avec Ala Belarouche, qui était cinquième. C'est-à-dire, j'étais pas totalement dans la compète. Et il me fallait voir, il fallait que je voie autre chose. Aller chercher de l'expérience, aller chercher un peu de temps de jeu, un peu de compétition. Et voilà, il y a Annecy qui s'est présenté et j'ai pas hésité. Ça s'est fait assez rapidement du coup Ouais, ça s'est fait rapidement. C'était un vendredi. Mon coach Stéphane Cassard, il m'avait dit qu'il y avait Annecy. Et moi, j'ai dit que je voulais aller, je voulais foncer quoi. Je voulais foncer et. Dans le le samedi d'après, je suis parti. J'ai fait mes valises, j'ai fait mes affaires, je suis rentré à Paris et je suis venu le lundi directement à Annecy. Tu as suivi un peu le parcours d'Annecy, avant de prendre la décision quand même, tu savais que ça marchait plutôt pas mal en ce moment. Moi, ouais, je savais, j'ai Max Bastien ici, mon ex-coéquipier à Strasbourg, on s'appelle régulièrement. Et en gros, il m'avait dit qu'il jouait beaucoup déjà, lui. Il jouait beaucoup et que ça tournait bien, l'équipe tournait bien. Il y avait franchement une très belle équipe. Qui est deuxième aujourd'hui, il y avait des bons résultats quoi. Et que voilà, ça m'a poussé un peu aussi à venir ici. L'objectif en venant ici, c'est que même bon, il y a Flo qui est titulaire pour l'instant, il y a Messi, donc on sera dans le groupe, ça c'est les deux certitudes qu'on a lundi. L'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir quand même. De temps en temps, voilà, être sur le terrain, de pouvoir prendre du temps de jeu, d'essayer de casser peut-être un petit peu la hiérarchie qu'il peut y avoir là. Non, franchement, moi, pour moi, mon objectif pour l'instant, c'est d'aider l'équipe, vraiment d'aider l'équipe de travailler, de prendre de l'expérience. Et franchement, après, si l'occasion se présente de jouer, pourquoi pas montrer ce que je peux faire aussi. Mais franchement, Flo, il est là, il travaille bien. Il avait Stéphane Cassard aussi comme coach à Marseille, qui m'a dit du bien de lui et on va bien travailler ensemble. Donc pour l'instant, d'aider l'équipe comme je peux et de garder ses bons résultats. Est-ce qu'il y a Adrien Thomasson qui est à Strasbourg aussi, qui est d'ici? Est-ce que tu as échangé avec lui avant de venir ou peut-être tu savais pas qu'il était d'ici? Moi, je savais, j'ai échangé plusieurs fois. Avec Adri, on a échangé plusieurs fois, on en a parlé. Il m'a parlé du club, de la ville, qu'il était d'ici aussi, que voilà que c'était un bon club, qu'il fallait que j'y aille, et que ça allait être bien, ça allait être que bénéfique pour moi. Quoi. Et franchement, il m'a aidé aussi sur mon choix. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tu as été formé à Laval, c'est ça? Moi, c'est ça, j'ai été formé à Laval. Ils m'ont récupéré à l'âge de 15 ans. J'ai fait 3 ans là-bas. Ensuite, j'ai fait un an au SCO d'Angers. Et ensuite, j'ai été récupéré par Strasbourg. Ça fait un an et demi maintenant. Ils ont eu confiance en moi, ils m'ont fait confiance. Et pour l'instant, ça déroule bien. Tes qualités, d'après toi, ou est-ce que. Tes points forts? Les points forts? Ouais. Les points forts, je veux dire que je suis un leader. J'aime bien prendre la parole. Après, je suis bon au pied. J'ai un bon jeu au pied et je suis bon dans les airs aussi. J'ai un bon jeu aérien et voilà, je suis un leader aussi, surtout. Et pour un travailler? Pour un travailler, franchement, j'ai que 20 ans. Franchement, tous mes points sont à travailler. J'ai que 20 ans et j'en aurais 25 ou 30, je vous aurais dit la même chose. Il y a Eiji Kawashima à Strasbourg qui en a 38 et qui me dit tous les jours, il faut tout travailler. Hein. J'ai tout à travailler tous les jours. Donc moi, j'ai que 20 ans, donc voilà, j'ai tout à travailler. Le fait là d'avoir l'opportunité d'être tout de suite sur une feuille de match en national, a priori là pour les deux derniers matchs, t'es au moins directement dans le bain, quoi. C'est un peu plaisant, c'est la première fois que tu as goûté un peu à ça, on va dire. Oh, c'est sûr, c'est excitant. C'est excitant de pouvoir être directement dans le groupe et être qualifié directement. Après, voilà, j'ai hâte de voir
les supporters, comment on prépare le match, comment la nationale, comment le championnat il est aussi. Voilà, je suis content. Des infos sur le championnat national ou tu as des échos un peu de comment c'est? Oh, j'ai des échos, j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans certains clubs en national qui m'ont bien parlé de ce championnat et j'ai mes deux anciens clubs aussi, Red Star et Laval en national, donc ça va, je connais un peu quand même. Avant Laval, ouais, c'était Red Star en fait. Ouais, c'est Red Star. Ouais. Ça marche, ouais, commencer là par Châteauroux, c'est, j'imagine là dans le groupe, c'est un match assez grisant, quoi. Le gros favori du championnat, même s'ils sont derrière vous, mais tu sens là qu'il y a une motivation particulière cette semaine, un peu là. Enfin, en même temps, tu découvres. Franchement, je découvre un bon groupe qui travaille très bien, qui prépare bien le match, très sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent. Que ça soit en salle, ils arrivent tous, pratiquement tous 30 minutes avant en salle, la préparation, sur le terrain, ils sont là, ça communique bien. Donc je pense qu'on prépare bien le match maintenant. Maintenant qu'on va être à lundi, il va falloir répondre présent et bien jouer comme ils ont l'habitude de le faire. Et il n'y a pas de quoi, ça va le faire, je pense. Tu as